Regardez bien la photo de ces deux-là. Ils doivent être dans les parages. Retrouvez-les. C'est compris. Allez. Vous ne l'auriez pas vu dans le coin? Dites-moi, madame, est-ce que vous auriez vu ces zombies? Vous connaissez ces visages, par hasard? Hé, hey, toi, là! Est-ce que tu l'as vu? Non, monsieur. Merci. Allons-y. Tu as fini? On y va. Hé! Hey, la tâche n'a pas disparu. Il faudrait encore nettoyer. Allons-y. Viens. Chef, le patron nous appelle. D'accord. Hé, hey, le patron nous appelle. En route. Allez, plus vite. Chaque ruelle et chaque rue doit être très bien fouillée. Anne est sûrement en voiture. S'il compte franchir le péage Naka, alors arrêtez-le. Allez-y! Je vais te retrouver, mon bébé. Ton Dieu arrive. Hé, je vous ai déjà vu! Nous t'avons déjà vu à la télé. C'est une chanteuse ou une prostituée? Oui, oui, c'est bien elle, la gagnante de Rising Star, Pankti Sharma. Vous êtes Ahan de Tuashiki. Venez voir les stars de la télé, les vedettes de la télé. Attendez, madame. Nous avons du thé pour vous. Mais il faut que vous nous chantiez quelque chose. Pouvez-vous chanter « Toujme Merikushi » s'il vous plaît? Eh bien... Le souci, c'est que la santé de la gagnante de Rising Star est un petit peu fragile. Je peux vous la chanter. Mais rappelez-vous que c'est bien Pankti qui m'a inspiré. Viens t'asseoir, Pankti. पल दो पल की नहीं मेरे हर पल की फिराक है तू किस्मतों से
से जो मिली नाते वे हिसाब है तू पल तो पल की नहीं मेरे हर पल की फिराक है तू किस्मतों से जो मिली नाते वे हिसाब है तू डूबी तेरी चाहत में मेरी हर आरज़ू बस तू ही हो पास मेरे दिल की है तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में बसी मेरी खुशी तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में बसी मेरी खुशी हे ma sœur, toi aussi tu dois chanter, t'as une belle voix. Oui, c'est vrai, elle a raison. Tu as une voix magnifique. Allez, chante, s'il te plaît. Écoute, Manav, ce numéro m'a appelé. Ce doit être Ahan qui a essayé de nous joindre. Rappelle. Mets le haut-parleur. Ça ne décroche pas. मैं होती हूँ रुसवा है पर तू रब से भी ज़्यादा पाक है क्या दूंगी मैं प्यार तुझे जब ये लकीर खुद ही मोहताज है तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में Merci ma sœur. Allô? Allô, Ahan? Je suis le gérant du box. Oui, Ahan est ici. Au revoir. Merci, merci infiniment. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Qui est-ce? Je suis la mère d'Ahan. Dites-moi, je peux lui parler? Appelez-le rapidement, c'est urgent. D'accord, pas de problème. Hé, oh. Hey, attendez! Hé, hey, monsieur Ahan! Monsieur Ahan! Votre mère est au bout du fil! Monsieur Ahan! Vikram, mon frère. Trinquons, en l'honneur de JD. C'est vraiment une personne incroyable. Tais-toi. Qu'y a-t-il? Allez, dis-nous tout. Nous ne sommes même pas en mesure d'en courtiser une qu'il a déjà une amante. Mon frère, demande-lui de nous enseigner ses techniques d'approche. On sait tous qu'elles sont efficaces. Salut. Ah, Vikram. Au revoir, frangin. De qui tu parles? Cette même fille sans éducation est la propriété privée de mon père et tu n'y changeras rien. Vikram! J'entretiendrai toujours une relation avec cette fille. Aujourd'hui, je souhaite vous annoncer officiellement que Pankti est bien mon amante. Et elle le sera à jamais. Du calme, il plaisante. Les dés sont jetés.
Je dois arranger ça. Dans tous les cas, nous devons absolument faire parvenir le message à Ahan. Peut-être qu'il réagira. Richa, c'est bien que tu aies amené Sheetal ici. Elle doit rester avec nous. Nous ne la laisserons plus toute seule. Oh, waouh! Je suis enfin retour à la maison et j'assiste à une pièce de théâtre. J'appellerai cette pièce la force de l'unité. Pas unité, père. Sensibilité. On en a assez vu et entendu. On a décidé de soutenir Ahan et Pankti. Tu as dû oublier une chose, Richa. Être du côté d'Ahan, ou bien de celui de Pankti, ou prendre donc leur parti, c'est aller à l'encontre de Sheetal. Non, père. Je ne vais pas du tout à l'encontre de mère. Au lieu que Pankti vienne ici en tant que ton amante, c'est mieux qu'elle soit la femme d'Ahan. C'est juste ton point de vue ou c'est aussi celui de ton mari? Bien sûr que oui. Bien sûr que non. Je suis du côté de mon père. Vikram, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que... JD a fait de Pankti son... Apprends d'abord à bien terminer tes phrases. Je t'en prie. Pourquoi veux-tu détruire la relation père-fils? Et pourquoi t'obstines-tu à me mettre des bâtons dans les roues, hein? Eh bien, moi aussi, je suis capable de le faire, Aparna. Capable de tout détruire sur mon passage. En particulier, ton fils. C'est compris? Prépare-toi à faire face aux conséquences. C'est donc Monsieur Jidé qui t'avait blessé? Oui, c'est moi qui ai entaillé le poignet de ta mère. Et aujourd'hui, je t'entaillerai aussi le cou si ta mère ne se rend pas directement au poste de police comme je lui ai dit. À quoi pensais-tu? Que ta mère a commencé à aimer ses deux filles, c'est ça? Bien sûr que non. Parce que ta mère ne suit que les instructions que lui dicte son propre dieu JD. Que ce soit pousser Sheetal du haut des escaliers, faire en sorte que Pankti vienne chez moi toute seule, elle fait tout ce que je lui ordonne. Parfois par amour. Ou de peur que je mette sa vie en danger. Elle doit absolument m'obéir. Oui. C'est Monsieur Jayant qui m'a blessé. C'est lui qui m'a frappé ce jour-là. Si on ne venait pas à mon secours, je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais est-ce que ça change quelque chose? Car notre situation ne change pas pour autant pour moi. À présent, chaque jour se ressemblera. La peur ne me quittera plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aussi participé. Je ne pensais pas que cette affaire prendrait une tournure aussi importante. Tous ces abus et tous ces coups bas. Toutes ces diffamations. Pankti a été maltraité et emmené devant moi. Bref,
Essayons d'oublier le passé. Et allons de l'avant. Hmm? Maman, quand vas-tu être de notre côté? Pourquoi prends-tu le parti de Monsieur Jidé? Je ne comprends plus rien! Pourva, évite de stresser pour rien, s'il te plaît. Oublie que j'ai été un tant soit peu maternelle. Oublie que je t'ai dit que je deviendrais une bonne mère, d'accord? Je n'ai pas d'autre choix. À vrai dire, je n'y avais pas réfléchi. Tout ça est vraiment écœurant. Et j'ai vu jusqu'où Monsieur Giant était capable d'aller pour atteindre son but. Tu es témoin, pas vrai? Ou tu veux encore d'autres preuves? Mais maman! Si nous coupons tout lien avec lui et acceptons la diffamation, on peut être libre! Pourva, nous avons déjà vu les conséquences de cette liberté, n'est-ce pas? Je ne peux pas. Cette liberté sera trop coûteuse pour nous. Il est hors de question de se libérer de l'emprise de Monsieur Giant. Et c'est valable pour vous deux également. Au moins, tu auras souri. Matarani a enfin fait un miracle. Au fait, Ahn, qu'allons-nous faire? Où est-ce qu'on va? Je te l'ai déjà dit. On va dans un endroit où on ne nous reconnaîtra pas. Mais les villageois nous ont reconnus. Si ça arrive à chaque fois, Ahn, alors on ne pourra jamais vivre tranquillement ici. C'est certain. On ne pourra jamais passer inaperçu. C'est pour ça que nous avons traîné. Mais nous ne faisons qu'avancer. Nous allons dans un endroit où on ne nous reconnaîtra pas. Où notre passé sera enfin derrière nous. Existe-t-il un endroit pareil? Monsieur, pourquoi ça n'avance pas? Au niveau du péage Naka, la police fait un contrôle. Un contrôle de police? Ne t'en fais pas, nous sommes à la frontière, c'est normal. Circulez! Les amis, nous savons que Ahn nous a appelés depuis l'Alan. Ça veut dire qu'on peut retrouver son adresse et lui téléphoner. Udai, ça prendra trop de temps. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on va pouvoir leur dire que toute la police est à leur trousse? Vous pouvez m'expliquer? Pas la police. Mais des brutes en uniforme envoyées par Monsieur Jidé. Arrêtez un peu, les amis. Bon sang! Pourquoi je n'ai pas pensé à cette idée bien plus tôt? Oui! On sait tous qu'ils sont en voiture. J'ai un moyen pour leur transmettre le message. Je suis une fille très intelligente. Une fille talentueuse. Du péage de Kassara, nous avons appris que la voiture s'est dirigée vers Nashik. Mais après le péage de Kassara, ils passeront par celui de Naka. Ne vous inquiétez pas. J'ai posté mes hommes un peu partout. Ils ne pourront pas nous échapper bien longtemps. Mes non, amis, éteins s'il te plaît. Nous avons avec il nous y a trop de bruit la ici. Directrice Miss Sayana 7. Elle souhaite nous parler de la passion et des rêves. Accueillons Miss Sanaya. Merci à tous. Je dois dire que ces gens sont en chemin. Je veux dire, sur la voie qui conduit à leurs rêves. Ils doivent être extrêmement prudents. Parce que le danger, ce danger que vous avez laissé derrière vous, ne cesse de vous poursuivre. D'accord? Je n'ai rien compris. Ce message est vraiment ciblé. Car il s'adresse à ceux qui ont des problèmes. De véritables problèmes. Qui ont pris la forme d'un oncle fantôme. D'un ennemi, d'un... sous la forme d'un ami. Comme si c'était un voleur déguisé, un agent de police. Vous voyez de quoi je parle? C'est pourquoi vous devez faire très attention. Qui sait? Le danger peut surgir de nulle part. Et
soyez vigilants, car vos détracteurs sont très puissants et proches de vous. Vous parlez sans arrêt? Oui. Il est parfois difficile de parler en toute franchise et de se faire comprendre. Qu'est-ce que Sanaya essaye de dire? Voilà, encerclez-la, vite! Bougez pas! Où sont-ils? Vite, Pankti. Il faut qu'on trouve un endroit pour se cacher. Allez, dépêchons-nous. Monsieur Giant, en fait, la police m'a appelé. Ils ont trouvé la voiture d'Ahn. Mais ils n'étaient plus à l'intérieur. S'ils ne sont plus en voiture, cela veut dire qu'ils savent que la police les poursuit maintenant. Il faut absolument les retrouver. S'il faut appeler du renfort, eh bien que la police le fasse. Harcèle-les. Autant qu'il le faut. Je veux qu'on me les ramène vivants et à tout prix. J'espère que c'est compris. Mon Dieu, pas de nouvelles! Je suis persuadée que mon oncle sait où il se trouve. Heureusement que Richa avait bien fait de mettre des mouchards dans la chambre de ton oncle. On peut au moins savoir ce qui se passe ici. En fait, je n'ai pas vu Père aller dans sa chambre. J'imagine qu'il ne sera pas au courant pour le micro. J'espère qu'Ahn et Pankti sont en sécurité. Qu'est-ce qu'il y a, Pankti? Ma jambe. Je ne peux plus courir, Ahn. Ok, c'est pas grave. Ahn. Attends-moi ici, d'accord? Je vais voir si je peux trouver de l'aide quelque part. Laisse-toi! Qu'y a-t-il? La police! Monsieur, on dirait qu'ils sont passés par là.
Ils ne doivent pas être très loin. Bon, vous deux, allez de l'autre côté. Le reste, allez là-bas. Allez. Tu veux que je t'aide ? Non, ça ira. Je ne me suis pas fait mal. Je t'ai menti. Pourquoi ? Pour qu'on trouve aussi un moment de répit. Pour souffler. Et pour que tu soignes ta blessure. Tu arrives à prendre soin de moi dans un moment pareil ? On ne tombe amoureux qu'une seule fois. Très bien. Je t'aime, ma chérie. Et je ne cesserai jamais de te le dire. Mes blessures guériront toutes seules. Les policiers ont pris l'autre route. Je crois que nous avons réussi à les semer. Tant mieux. Ça nous laisse le temps de réfléchir maintenant. Anne, qu'en penses-tu ? Sanaya nous a donné un coup de main, n'est-ce pas ? Ce message s'adresse à ceux qui savent bien que le problème vient toujours de l'un de nos proches, notamment la famille. Heureusement qu'on a entendu son message. Mais Monsieur Jidé a envoyé ses policiers. Jusqu'à quand va-t-on rester en fuite ? Tant que tu es avec moi, rien ne t'arrivera. Ne nous séparons jamais. L'atmosphère est romantique. Je suis là, tu es là. La rivière, la montagne, la jungle. Et tu parles toujours de la police. Arrêtons un peu de parler de tout ça maintenant. Tu es fatiguée ? Est-ce que tu veux te reposer ? Il fait plutôt beau, tu trouves pas ? Je reviens. Là, tout de suite, quand je commençais à me sentir bien, c'est là où tu décides de t'en aller ? Ne t'inquiète pas, je n'irai pas bien loin. Je reviens. Les affaires, le concert, ou encore des problèmes de vie de couple. Les idées de Sanaya font du buzz sur tous les réseaux sociaux. J'aimerais au moins pouvoir savoir où sont Ahn et Pankti. Les gorilles de Jayon vont bientôt les retrouver. On ne peut pas faire confiance à la police. La plupart des policiers ne sont plus fiables, ils ont tous été corrompus par ce voyou qu'est mon frère. Dans ce cas, il sera difficile de trouver Ahn et Pankti. Nous sommes à court d'idées. J'ai une idée. On peut surveiller Père. On peut le suivre en filature pour savoir où il va et surtout savoir qui l'appelle. Superbe idée, chérie. C'est parfait. En fait, la batterie du micro a une durée. Du coup, c'est impossible. On ne peut pas l'espionner avec un micro. Je trouve ça parfait. Pour ça, on a besoin de quelqu'un pour surveiller personnellement Père. Pas question, Richa. Papa ne laisse jamais quelqu'un tourner autour de lui. Ah bon ? On verra bien si c'est le cas. Toutefois, ce travail doit être fait par une personne de confiance. Moi, par exemple. Toi ? Mais d'après vous,
Je suis un traître, n'est-ce pas? Alors, vous ne me voyez que comme un traître. Hé, tu penses aussi ça de ton mari? Désolée. Ça va aller. J'aime mon père. Mais l'amour que je porte pour ma mère est bien plus grand. Bravo, mon frère. À partir d'aujourd'hui, oui. Vikram gardera un œil sur papa et nous fera un rapport tous les jours. Oui, c'est-à-dire... Mais c'est facile. On créera un groupe dans lequel on sera connectés. Il faudra faire attention. Il ne doit absolument pas savoir que ce groupe existe. Oui, ne t'inquiète pas, je vais le faire de suite. Alors là, es-tu devenu un super-héros? À chaque fois que j'ai un problème, tu viens toujours à ma rescousse. C'est vrai. Alors prends de l'eau et après tu me féliciteras, comme tu voudras. Allez, assieds-toi, repose-toi. Tiens, bois. J'ai appris à faire ça quand j'étais à l'école. Et c'est grâce à mon père. On dit souvent qu'il faut respecter ses parents si on veut réussir dans la vie. Y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas? Ouais, t'offrir la lune ou les étoiles, comme dans les films. Ça, je ne sais pas. Ça me dépasse. Mais moi, j'ai l'impression que tu en es capable. Tu veux que je sois romantique tout le temps? Mais tu vas enfin manger ou pas? Bien sûr. Dis-moi, qu'y a-t-il au menu? Au menu? Une seconde. Hein? Allez, papa. La boisson des jeunes, c'est la bière. Tiens, ce whisky te va bien mieux. Santé. Santé. Tu sais quoi? Ne t'en fais pas pour Anne et Panty. Ce sont que des enfants. Ils courent et se feront prendre. Mais cette fois-ci, tu les auras, n'est-ce pas? Oui, mais si le travail n'est pas fait à temps, alors cela ne sert plus à rien. Au fait, papa, tu n'as pas d'idée? Quand tu effectues un travail très important, la première règle est la suivante. Il ne faut jamais communiquer les détails. T'as raison, papa. J'ai pris note. Cependant, je suis totalement de ton côté. Excuse-moi. Ok. Sanaya. C'est papa, dans le couloir. Viens, allez. Dites à Monsieur Malhotra d'annuler toutes les réunions de cette semaine. Je ne pourrai pas être disponible.
C'était professionnel. Rien à voir avec notre enquête. Je vais le dire. Ce sont mes mangas préférés. Comment as-tu su? Comme tu peux le constater, je sais déjà tout sur toi. Vraiment? Dans ce cas, tu devrais aussi savoir que je n'aime pas les mangues vertes. Mais c'est une mangue fraîche, très juteuse, comme celle que Katrina Kaif mange dans la pub. Et laisse-moi te dire, qu'en la regardant, je peux deviner qu'elle est sucrée et très très douce. Prends-la, mange, tu verras. Elle est acide. Prends. Goûte toi-même. Ok, prends celle-ci alors. Elle est juteuse. Hey, mange d'abord. En fait, je n'aime pas vraiment les mangues. Eh bien, si je l'avais su plus tôt, je ne t'aurais jamais aimé. Ok, ça marche. Donne-la-moi. C'est différent puisque c'est toi qui me l'offre. Que tu es mauvais dragueur. Mais ça vient de mon cœur. Tu te crois à la télé avec tes manières d'acteur et ta coiffure et tout. Quoi, tu crois que c'est de la comédie? Allez, mange-la, tu allais le faire. Tiens. Merci. Allez, vas-y, ouvre la bouche. Tu n'en veux plus? Et toi, mange-la, tu m'as dit que c'était ton fruit préféré. Vas-y. Hey, allez, une bouchée. Alors, il a dit quoi? Non, les filles. Je l'ai même fait boire pour lui soutirer des informations. Mais il n'a rien dit. Rien qu'un verre. Pour lui faire perdre la tête. Tu ne connais pas assez, papa. C'est pas grave. Si ça n'a pas fonctionné, on va trouver un autre moyen. Mais il ne fera aucun mal à Anne et Pankti, n'est-ce pas? Rien de tel n'arrivera. Je vais faire en sorte de les trouver avant lui. Mon Dieu. Je t'en prie, protège-les. Alors, les mangues étaient bonnes? Je ne sais pas. Comment ça? Je veux dire que lorsque tu allais les cueillir, est-ce que tu savais qu'elles allaient être sucrées? Qu'elles soient acides ou pas, peu importe. Là, c'est toi qui parles comme dans un film. Tu as perdu ta boucle d'oreille. Tu n'as pas entendu un bruit? Allez, viens, on y va. Monsieur, on dirait qu'ils sont passés par là. Suivez-moi.
plus, Anne. Humpty, ces gens sont à nos trousses, il faut qu'on y aille.